Maintenant, les membres du Congrès vont Kikuyu. accueillir le Alors président ça te fait Farage. quoi de te voir? Hein? Ça te fait quoi de te voir? La hop. La hop. Gouba alors? Voilà donc le président de la République, Kikuyu. François Hollande, et si vous étiez avec nous au début de cette émission spéciale, il y a moins d'une trentaine de minutes. Ces images vous en rappellent forcément d'autres. Même cadre, même endroit, même aide d'honneur de la garde républicaine. Nicolas Sarkozy, c'était en juin 2009, grâce à une révision constitutionnelle de l'ancien président de l'époque, Nicolas Sarkozy, contre laquelle avait voté l'actuel président François Hollande, qui était à l'époque député socialiste. Oui, Tika. C'est les petits chats, là. Les petits chats. Tu le vois, les petits chats? Tu le vois, les petits chats? Les petits chats! Les petits chats! Petits chats! Voilà, François Hollande, président Petits de la chats! République, avant de vous donner la parole, j'invite le Congrès à observer une minute de silence. T'as ta petite dent qui gêne. Fais voir ta petite dent. Est-ce qu'on la voit ta petite dent? Non, on la voit pas encore. Putain, on montre la petite dent. Allez, on va. Ah. Tu sais, tu dis, eh ben, tu n'en dis des choses. Oh, encore? Ah bon, Président de la ouais. République, vous avez. Monsieur le Président du Congrès. Monsieur le Président du Congrès. Monsieur le Président du Sénat. Monsieur le Président du Sénat. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Madame Moi, la chef Président, du gouvernement. je ferai en sorte que la France aille mal. Moi, La Président, France est en guerre. j'irai en guerre. Quelques minutes vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont désastreuses. Je fais au moins Ah, 150 morts et de nombreux blessés. Il constitue une agression contre notre pays, contre ses non, valeurs, contre sa jeunesse, contre son non, équipe. Ils sont le fait de l'armée Boudin, qui nous combat Boudin, parce que la France est un pays de liberté. ouais, t'aimes pas trop Taz. Parce que nous sommes la patrie des droits Tu de préfères Donald? Dans ce scénario exceptionnel, je suis venu m'adresser devant le Parlement réuni en Congrès. Pour marquer l'unité nationale face à une telle interprétation et pour défendre avec toute la détermination qui convient à l'attaque humiliante dont notre pays a été la cible. Notre démocratie a subi une action bien plus redoutable en vérité que ces lâches assassins. Notre République